Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un vlog sur plusieurs jours. Aujourd'hui on est le jeudi 10 décembre, il va être midi. Ce matin, comme je vous l'avais dit en story, je me suis laissé une heure de plus pour pouvoir dormir parce que cette semaine j'étais quand même fatiguée. Bon, Agnès nous expliquait qu'il y a beaucoup de choses sur les énergies vu qu'on est dans un parcours et que si on veut pas écouter trop ce que nous dit notre intuition, on peut être un peu plus fatigué. Hier soir j'ai pris du temps pour moi, beaucoup plus tôt, parce que j'étais claquée après avoir fait du yoga, toute ma fatigue était ressortie. Ça m'a fait du bien de pouvoir me poser. Ce matin j'ai déjà écrit le texte pour l'Instagram parce que j'ai regardé une vidéo de David Laroche et une des phrases m'a inspirée, donc du coup j'ai écrit. Je me suis vraiment fait la méditation d'ancrage avec Agnès parce que ça fait trop du bien. Je sentais que ça partait dans tous les sens, j'ai dit bon ok, on accepte. Là apparemment la colère peut aussi pas mal venir, mais bon il y a un truc qui avait démarré au printemps par rapport aux planètes cette fois et qui s'arrête le 15, sachant qu'il y a un portail énergétique le 12-12, il y a la nouvelle lune le 14, il y a pas mal de choses qui se terminent de toute façon vers 14-15. Ah bah quand on sent les énergies et qu'on est sensible, oh bah ça fatigue un petit peu. Que voilà, donc je vais faire vraiment la méditation, là je reprends l'habitude de vraiment méditer tous les jours et encore plus d'ancrage ces temps-ci. Et avec, vous avez bien deviné avec qui? Avec Agnès de la magie de Ness. Et après, je sais même plus ce que j'ai fait ce matin. Enfin, en cherchant, que là dans mon rêve il y a un élément qui était ressorti et puis là je me suis dit tiens je vais regarder ce que ça pourrait dire. Et je suis tombée sur le même site sur la signification des prénoms. Et enfin, je sais pas vous, mais moi j'adore regarder ce genre de choses. Et il y a vraiment beaucoup de prénoms. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, je vais vous le partager je pense sur la page Facebook. Et c'est trop, tellement vrai. Vous avez votre prénom, vous avez également de l'information en plus suivant votre signe. Moi j'ai regardé également avec mon ascendant et mais c'est un truc de dingue à quel point c'est vrai. Je vous lis juste vite fait pour moi mais pas tout. Hein. Karen a un cœur farouche et fidèle, s'il se donne il ne se reprend plus. Avec un joli sourire et d'un coup d'œil profond, Karen sait évaluer les gens avec précision. Elle remet souvent en question l'ordre établi, car Karen conçoit la vie comme une expérience. Disponible aux autres et ouverte à l'inattendu, Karen est très confiante en ses capacités. Donc en tant que bélier, Karen est une fonceuse qui aime agir en pionnière, relever des défis, prendre des initiatives, commander, diriger. Karen a besoin de passion, d'enthousiasme pour se sentir vivre pleinement. Karen a aussi besoin de se dépenser physiquement. Donc il y a beaucoup de vrai que malheureusement je ne suis pas. Parce que je sais que je peux être vraiment à fond dans les trucs. Et là je le fais pas suffisamment presque. Je suis un peu à l'encontre de ma personnalité en ce moment. Mais j'ai... Bon bref, je vais pas revenir à l'ancien, je vais parler pendant longtemps. Surtout si vous avez déjà vu la vidéo d'avant. Se dépenser physiquement, je le fais pas. Je sens que ça manque l'instant présent. Je le vis pas suffisamment et ça me fait... En fait tout ce qu'il y a écrit, il y a beaucoup de choses qui sont vraies que je ne fais pas en ce moment. Et ça me fait pas du bien en fait justement. Donc mais je trouve ça ouf. Là, je vais faire mon... Ah non, il faut que je mange. Je souffle parce que ça me saoule de me faire à manger ces temps-ci. Ça me fatigue. Hein, je vous l'ai expliqué de toute façon dans la dernière vidéo. Ah ouais, bah je vais me faire ça. Bon, je vais manger. Je vais manger et après, je vais faire mon devoir et je vous reprends après. Là ça y est j'ai pu rendre mon devoir, quand tu cliques sur envoyer c'est trop cool, ça fait vraiment du bien. J'ai pris un petit peu de retard sur ce que j'avais prévu parce que la semaine dernière j'en ai pas du tout fait. De toute façon vous suivez, hein, j'étais complètement... Non. Entre la fatigue etc, à chaque fois j'ai pu repousser l'étude et après le devoir. Vu l'objectif que qu'on s'est donné avec mon coach que j'ai en janvier. Là il va falloir que j'avance, plus tout ce que j'ai à faire, je sais pas. Ça me stresse. Ça me stresse quand même parce que j'ai différentes choses et là... par rapport même à l'activité et tout, il y a des choses, enfin, ça me... Mon cerveau part dans tous les sens et je suis... Là il est déjà 3h20. Donc ouais j'ai pris du temps pour manger, ce qui est pas plus mal, mais voilà. Il y a des moments où t'as envie de faire plein de trucs en même temps et il faudrait pas. Je vais vite faire une supérette pas loin parce que j'avais oublié quand j'ai fait mes courses l'autre jour. J'ai pris des boissons végétales au même nombre que j'ai vu que je suis... Ah bah c'est bon, j'en ai besoin que de deux par semaine. Je vous l'avais montré, je m'étais racheté des brochettes de chocolat. Donc vu que je les consomme majoritairement, pas que, mais majoritairement en shaker le soir avec du lait, enfin boisson végétale, j'en ai pas assez en fait. Donc là on est que jeudi. J'ai l'impression d'être mercredi. On est que jeudi donc je vais aller m'en acheter. Je vais vérifier vite fait si j'ai vraiment pas besoin d'autre chose. Après on verra en revenant. Donc là avant le 4h je vais un peu bosser sur mon activité pour les rendez-vous, les paiements, enfin regarder de différentes possibilités parce qu'il y en a que je connais mais je voulais voir ce qu'il y a autre pour être peut-être plus intéressant pour moi. En fait c'est tous ces petits trucs moi qui me stressent, enfin il y a plein de trucs, j'ai hâte et en fait avant que ça devienne habituel il faut juste le faire et répéter, mais il faut le faire.
Et il y a plein de choses, c'est le début, quand j'ai lancé la chaîne YouTube, faut créer la chaîne YouTube, faut mettre la bannière, faut savoir quoi mettre après dans la description et tout. Moi je sais que j'ai des mises à jour à faire dans mes descriptions, j'ai des... Pff, surtout en ayant changé de nom, encore plus, il y a des endroits que j'ai pas fini, là tu... C'est clair que quand on peut, c'est mieux de pouvoir faire appel à quelqu'un pour pas mal de choses, mais à un moment donné, je peux pas. Tout, parce que si tu fais appel à quelqu'un, souvent, bah, c'est moyennant en finance, et là je peux pas tout... Pour l'instant, je peux pas pour tout ça. Donc il y a pas mal de choses que je dois faire toute seule. Et du coup, ça prend énormément de temps. Et vu que je sais que j'ai tout ça à faire, ça me prend la tête aussi. Parce que ça me stresse, parce que je vois tout ce que j'ai à faire et j'avance pas totalement. C'est le début et après ça ira mieux quoi. Mais pff, je me stresse encore. Ça va mieux, mais je me stresse encore. Bref, bon, je le fais. Et après, je ferai mon 4h. J'ai hâte en fait d'être à 4h juste pour manger. Bon là c'est bon, il est 4h, j'ai fini, j'ai déjà mangé. Et à 4h il y a aussi les vlogmas de Enjoy Phoenix qui sortent. Alors soit je les regarde aussitôt, soit j'essaie de les regarder après, ça dépend. Là j'ai pu un peu avancer, mais de toute façon j'ai différents points qui sont à voir après un rendez-vous de demain. Et surtout après un rendez-vous de la semaine prochaine. Je peux quand même faire des choses, mais ça sera plus abouti après. Et après, bah là, en fait, faut à tout prix que je puisse vider. Parce que du coup, je m'étais repris un autre disque dur externe. Et là, faut que je fasse le tri. Ça tombe aujourd'hui parce qu'en fait, il y a plein de trucs, ça prend trop de place, même sur mon ordi et tout. Et là, faut que je fasse le tri. Donc, c'est le genre de truc que tu repousses parce que ça te prend du temps. Mais à un moment donné, il faut le faire parce qu'après, il y aura plus de place. Donc, bah, je vais faire ça là, juste après, là, petit 4 heures. Et après. Je fais ça. Mais je sais pas vous, moi, vers 4-5 heures, je commence déjà, là, je me sens déjà fatiguée, j'ai déjà le coup de barre, je pourrais déjà... Enfin, mes journées, elles pourraient être très très courtes, en fait. Mais à un moment donné, il faut aussi bosser, alors c'est pas facile. Faut savoir s'écouter, mais à un moment donné... Bon, bah c'est parti pour vider les disques durs et faire du tri, etc. J'ai envie de faire du rangement, bah là, il y aura du rangement numérique et le rangement physique. Je vais voir ça dans les prochains jours. Là il est 7h30, je me suis fait un shaker de Pro Shape Chocolat. Bah le soir je trouve ça vachement plus pratique parce que les derniers temps où j'en avais pas, chaque fois j'arrivais au soir, je me disais, ah, j'ai pas envie de manger comme midi ou j'ai pas envie de me faire à manger, et ça c'est pratique. C'est bon et ça cale bien et ça porte tout ce qu'il faut, donc c'est cool. Du coup pour les disques durs, faut que je vois comment faire. Je sais pas comment ils font les youtubeurs avec tous les contenus qu'ils ont. Une fois qu'ils ont fait la vidéo, est-ce qu'ils suppriment les fichiers? Est-ce que j'en sais rien, mais je sais pas comment je vais faire. Enfin, je sais pas. Sachant qu'il y avait d'autres trucs de base dans le disque dur, mais bon là je suis en train de re-ranger les trucs et tout. Bon j'ai pas fait que ça parce qu'en fait pendant que j'avais mis pendant que je finissais le goûter là tout à l'heure, j'ai mis les vidéos au final d'Angel Phoenix et en même temps je préparais ma publication d'Insta. Après pendant que ça faisait des chargements et tout, j'ai envoyé des messages pour le taf, et puis après bah les publications et tout, puis voilà. Mais là je pense que je vais pas tarder à me stopper, donc je vais prendre mon checker et là faut que je vois si je... faut que je me pose 2-3 questions sur un truc par rapport au taf aussi, et après je vais me poser. Je sais pas ce que je vais faire, mais je pense que je vais aller prendre ma douche, me mettre en pyjama, ouvrir le canapé et tout. Et comme ça, une fois que ça s'est fait, je me suis dit c'est bon. Ça, c'est bon. Je suis en soirée. Ah bah si, j'avais oublié, je vous avais dit que je voulais re-regarder Vaiana. Juste bon. En gros, c'est que bah, ceux qui sont dans le groupe Facebook, ils ont pu voir. J'ai partagé une des chansons de Vaiana, c'est que j'ai eu Vaiana dans le voyage méditatif de mardi dernier. Et une des chansons qui est revenue, il y a beaucoup beaucoup de choses qui étaient similaires. Et la première fois que j'avais vu ce dessin animé déjà, il y a plein de trucs qui me faisaient penser à moi. Mais alors là, voilà, il y avait beaucoup de messages et j'ai bien aimé tout ce qu'elle m'a dit. Donc je me suis dit, tiens, je vais re-regarder Vaiana. Et bien sûr, comme toute Disney addict, je vais chanter. En plus, il n'y a personne, donc je peux chanter faux si je veux. J'adore chanter, mais je chante pas très très bien. Donc je pense qu'un jour, j'irai voir, alors bah je vous en ai jamais parlé, ceux de La Rochelle le connaissent certainement, sur Insta c'est Studio Michael Gallo 17, il est coach vocal, Agnès le connaît. Ils ont fait une vidéo tous les deux, incroyable, et je pense que ce serait pas mal, ça peut être intéressant, et en plus je pense que c'est aussi intéressant, il y a des personnes qui le font, je crois que j'ai vu un exemple sur son site, genre une prof pour réussir à poser sa voix, etc, parce qu'en plus le fait de, alors je suis pas du tout experte, mais moi de ce que je perçois de ça, c'est que à la fois tu peux apprendre à mieux chanter, mais je pense pas que ce soit dans ces termes là qu'on va dire. Et en gros tu vas apprendre à mieux poser ta voix, etc, ton souffle et tout. Du coup t'as aussi ta posture, parce que si t'es avachi tu pourras pas bien chanter ou t'exprimer. Et du coup ça peut être mieux du coup pour chanter, pour parler de manière générale, parler devant un public, devant une caméra. Pour avoir son souffle, sa posture, je pense de manière générale du coup. Voilà. Mais j'aimerais bien prendre des cours avec lui, en plus il a l'air super sympa, complètement dans son délire aussi. Et j'étais même surprise, je me demandais l'âge qu'il avait et j'ai vu qu'on est né la même année. Je pensais qu'il était plus vieux que moi.
J'ai une tête de bébé. Bon bah je pense que je vais vous laisser là. Donc on va me préparer et regarder Vaiana me poser dans mon lit. Parce que demain matin, en plus, faut pas que je me couche tard parce que demain matin j'ai un rendez-vous à 9h. Je vous en reparlerai demain, mais c'est en plus un rendez-vous Zoom. Donc je vais éviter d'être en pyjama et tout. Je préfère être habillée, maquillée et tout. Donc je vous dis à demain. Bisous. Mon cœur avait un immense pouvoir, celui d'engendrer la vie. L'univers. Hello à vous. Donc là on est vendredi matin. Bon il est 54, le rendez-vous va commencer dans 5 minutes. Donc voilà, donc je vais vous poser et puis après je vous reprends tout à l'heure. Bon, je m'étais échangée parce que je me suis dit bon après on s'en fiche, hein, je suis moi-même, mais c'est vrai que mon pull me faisait être encore plus jeune, plus adolescente, alors du coup là non, j'ai dit bon allez, je vais mettre la petite veste qui fait un peu plus sérieux, parce que ça reste quand même un rendez-vous pro. Est-ce que je vous en parle? Peut-être pas, vous en saurez plus l'année prochaine. C'est une sorte de préparation, un sorte d'entretien pour un rendez-vous potentiel plus tard, donc qui se fera en janvier. Donc bah écoutez, je vous tiendrai au courant d'ici là. Ça m'a fait du bien, c'était cool. Suite au LGR, on fait quand même pas mal de rencontres et c'est trop bien. Donc il est 9h30, du coup je vais aller me balader. Parce que sinon je vais pas y aller. Parce qu'après l'après-midi, bah c'est vite court parce qu'il commence à faire nuit tôt et ça j'aime pas trop. Donc autant que j'y aille ce matin, faut que je trouve une pomme de pin. Donc je vais voir si j'en trouve d'ici là. J'ai décidé d'aller plus loin. Il est quand même assez tôt et ça fait vraiment du bien d'aller se balader à cette heure-là. Là en plus, genre, je sais pas. Ah, bah si, c'est là-bas. Là en fait, on est au niveau à côté de la plage. C'est là où j'allais courir. Alors, je sais plus si c'est la première fois que je suis allée courir, c'était dans le 86. Quand je travaillais là-bas. Non, je crois que la première fois, c'est là. Et juste un kilomètre, je ne pouvais même pas. C'était une horreur. Avec une pote que je m'étais faite en esthétique qui vivait pas loin de chez moi également. Et là, il y en a qui vont peut-être reconnaître. C'est là où j'avais fait mon intégration quand je suis rentrée en licence. Pas l'intégration BTS, d'intégration BTS, on avait fait à la plage à la concurrence. Laisse tomber, on était maquillés tout en bleu, on était scotchés les uns aux autres aux poignets et aux chevilles. Ça date. 2012, 2013, je sais plus. Bref, ça date. 2013. Non, il m'a quitté en 2012. Ah non, c'est bon. C'était en 2012. S'il a m'en rappelé. Pas trouvé. Si, j'ai trouvé des pommes de pin, mais c'était pas ouverte. Ah bah là aussi, on a plein. Mais elles sont pas ouvertes en fait. Bon, ben, on verra. J'étais avec une amie que je connais depuis la maternelle. J'avais fait mon premier 4 km, je crois que j'étais tellement fière. Je pense que la majorité vous reconnaissez, hein. Ceux qui sont du coin. J'ai l'impression de revenir que sur des trucs de mon passé. Ça, souvenir de... Enfin, fin de soirée. Il y a 2 ans. Où avec des potes, on est venus se balader ici. Soirée tranquille, hein, sans alcool. Je marche depuis très très longtemps. Je suis trop contente de l'avoir fait. Oh mon dieu, je suis éclatée. J'ai mal aux hanches. J'ai marché pendant 2h15 à peu près. J'ai fait plus de 8 km, 8, 9, je sais plus. Du coup, j'ai pu me trouver quand même 2 pommes de pin. J'ai trop mal. T'as qu'à faire du sport, Karen. Non mais 2 heures. Bah au moins là j'ai fait mon sport pour l'aspect. Oh là là. Mais c'était cool parce que ça faisait hyper longtemps que j'étais pas allée à ces endroits-là. Et en fait, bah, comme je l'ai mis en story, c'est que... En fait, je suis passée à des endroits avec... Enfin, de toute façon, je voulais partager, mais... que ce soit des endroits où je suis allée pour courir, pour aller me balader, avec... que ce soit toute seule, à deux, à plusieurs. Et du coup, ça m'a ramené à tous ces moments-là. Et c'est plus... c'est comme si c'est un peu... Enfin...
visuel, hein, comme d'hab. C'est comme s'il y avait, une banque d'images, de souvenirs, et que je cliquais dessus et que je faisais « Ah non, c'est bon, c'est ok. » Enfin, genre, ça me fait pas de mal, ou je, enfin, c'est ok, ça fait partie de mes souvenirs, et voilà. Et voilà, et genre, hop, je valide. Enfin, c'est comme ça que je visualise mon truc, hein. Faut pas chercher des fois. Mais ça me fait trop du bien, et vraiment, je suis allée jusqu'au bout. Enfin, presque jusqu'à la plage des Minis, mais du coup, après, je fais demi-tour, parce qu'à un moment donné, je voyais l'heure. Peut-être temps de rentrer. Et du coup, en revenant, ce que j'ai mis, c'est comme si j'avais fait un retour sur mon passé, que je revenais sur mon présent. C'est cool, et du coup, j'ai fait des photos. J'ai un post pour demain que j'ai déjà écrit, et le post d'aujourd'hui, de toute façon, je l'avais noté ce matin. Il y a une phrase qui m'est venue, et j'ai noté. Donc là, je suis... Ok, ça c'est cool. C'est trop bien. Et en même temps, j'ai pu papoter avec Gwen, parce que là, ça faisait quelques jours, on s'était pas écrit, juste pour se laisser respirer un peu avec tout ce qui nous arrive. Et c'était cool aussi. Et puis voilà, donc là je pense que... Ah si, j'ai vu que Agnès, elle avait commencé un live, mais c'était en pleine méditation quand je suis arrivée. Je suis bon, bah je vais regarder après, donc là je vais faire ça. Je vais manger parce qu'au final j'ai même pas pris de petit-déj. Donc là je vais manger parce qu'il va être... Bon, il va être midi. Ah là là, mais ça fait du bien, ça m'a fait tellement de bien. Voilà, je suis claquée parce que voilà, mais là je vais pouvoir me poser un peu. Voilà, me manger et puis je vais voir après. Là j'arrive plus à réfléchir. Ah là là, ça fait trop du bien. Il se passe tellement de choses. Allez suivre le compte Le Monde S'éveille, parce que alors là, je vous partage en story. Ils n'ont pas arrêté de partager des trucs, parce que là, on est dans un moment de ouf. Ce week-end, il se passe plein de choses. Cette fin d'année, il se passe plein de choses, et ça promet quoi. Waouh, c'est incroyable tout ce qui se passe. Et plus on est dans les énergies, on suit les énergies, on s'ancre beaucoup, on boit beaucoup d'eau. On accepte ce qui vient et tout, plus ça ira en fait. Hein. Vraiment, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Plus on accepte, plus on est ok. Plus on laisse venir les émotions, même s'il y a de la colère qui peut venir, parce que là il y a beaucoup de choses, de changements qui arrivent, des déménagements, des ruptures, des remises en question, des trucs comme ça, c'est ok, c'est normal, vaut mieux laisser venir quoi. Bon, on va dire des ruptures du pal... Enfin voilà. Bon allez, je vais manger parce que j'ai faim. J'ai faim. You're just gonna walk into my... Là, il est 17h, enfin, quasiment 5h15, après avoir bossé sur mon ordi sur la... Oh, ben voilà. Enfin, au bureau, bah, du coup, je me suis posée pour mettre la vidéo du vlogmas d'Enjoy. Pas à 4h, cette fois-ci, j'ai attendu. Du coup, j'étais en train de faire mon Insta, de voir pour mes posts Insta. Parce que j'avais fait les brouillons, mais je les avais pas mis au propre sur le... Oh là là, là c'est pas possible. Au propre sur l'appli. Et là, je me sens fatiguée. J'ai envie de plus rien faire. Même ça, je suis fatiguée et tout. Donc... Bref, donc là je vais finir ça, au moins faire ça quand même. J'avais 2-3 trucs à voir quand même. Ouais, si j'ai 2-3 trucs à voir par rapport à des tâches que j'étais en train de faire pour l'activité. Mais je pense que je verrai un peu. Enfin bref, je verrai plus la semaine prochaine. Avec le rendez-vous que j'ai la semaine prochaine, je verrai un peu plus loin par rapport à mon activité. Là, c'est plus des petites tâches, on peut dire. Parce que là, voilà, hein, je vais pas en parler. Enfin, je reparlerai plus tard parce que là sinon le vlog va être trop long. Hier soir du coup j'ai pas fini Vaiana parce que vers 10h30 un peu avant déjà ça buguait. Et à 10h30 ça a trop bugué, enfin je sais pas, le Blu-ray il marchait plus. Du coup je me suis dit bon c'est pas grave, ben, je vais me coucher. Donc j'ai fait une méditation avant de 20 minutes je crois et après je me suis couchée. Comme quoi de dormir ben ça joue hein, sur la forme du lendemain. Bon là j'ai pas l'air en forme mais de toute façon à 4h, je vous l'ai dit, à 4h30, 5h je suis fatiguée. Bon. La luminosité, je pense, joue, mais même, on sent que le rythme est différent, quoi. Plus les énergies du moment. Oui, non, mais de toute façon, les énergies du moment, c'est comme ça toute l'année 2020, c'est un truc de dingue. Ce week-end, accrochez-vous, quoi. Enfin, vous verrez le vlog après ce week-end, mais même, hein, il sera encore 17h17. Bref, je pense que le vlog, je vais très certainement l'arrêter. Enfin, de toute façon, je vais vérifier ça demain. Mais je pense que bah, le vlog, ça sera que sur 2 jours, parce que sinon, ça va être trop long pour vous. On verra l'année prochaine si je ferai des vlogmas, mais alors là, faire des vlogmas, je suis pas assez dans un rythme pour le faire, mais je kifferais trop faire ça. Bah, du coup, demain, il y aura le concours sur la page Magie de Ness sur...
Facebook pour pouvoir gagner un bilan épanouissement personnel avec moi. Et puis voilà. Et puis du coup demain, ouais, je vais pouvoir faire le montage, de voir encore 2-3 points là par rapport au bilan pour encore l'améliorer. De toute façon, je pense que je me prends la tête, mais en fait, j'ai envie d'améliorer avant d'avoir remis en place ce bilan qui est déjà amélioré. Donc voilà, faut que j'arrête de me prendre la tête pour l'améliorer avec des retours. Donc je ferai ça après. Et puis le blog aussi, mais ça prend tellement de temps que je vais changer. J'ai envie de changer la mise en page. Donc j'avais déjà regardé dans ce que j'avais de disponible. Et il y en avait peut-être que un ou deux qui me plaisaient, les autres ça me convenait pas. Sauf que ça change plein de trucs, mais du coup ça prend plein de temps. Donc c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Mais ça prend gavé de temps. Je ferai ça demain. Oh purée, je suis trop fatiguée. Donc bref, je disais ouais pour Vaiana que j'avais pas fini. J'ai oublié. J'en suis avant qu'ils arrivent avec la première confrontation avec TK. Et j'adore. Il y a plein de choses, je me suis vraiment reconnue dedans. Ou soit je reconnaissais d'autres personnes, soit... Enfin, il y a plein de trucs qui me faisaient écho et c'était ouf. Et j'ai beaucoup chanté. J'adore. Et aujourd'hui, sur Netflix, c'est quoi le titre? C'est Prom, je crois. Dedans, il y a Meryl Streep, il y a Nicole Kidman. Donc c'est trop bien, parce que... Enfin, bref. Ça a l'air trop bien, donc je vais pas le regarder aujourd'hui, je pense que je vais le regarder ce week-end, parce qu'en plus, il y a des chansons, donc je vais kiffer. En fait, il y a une fille qui voudrait juste pouvoir aller à son bal de promo avec sa petite copine, mais du coup, ça n'est pas trop bien vu, je pense, le fait qu'elle aime les femmes. Donc du coup, ils annulent le tout, et les personnages joués par Nicole Kidman, etc., vont vouloir l'aider. Donc j'imagine, voilà, je l'imagine plein de péripéties et plein de morale et tout. Puis j'adore Meryl Streep, elle c'est une femme que... Cette actrice, elle est magique. J'adore Nicole Kidman aussi. J'adore les trucs où il y a de la chanson et tout, il y a plein de morale, il y a de la motivation, détermination. Tout ce que j'aime. Et ce week-end, je vais voir, j'aimerais bien aller voir les illuminations de... À La Rochelle, ils ont mis des illuminations, ça a l'air trop bien. Certains Instagrammeurs et Instagrammeuses, blogueuses de La Rochelle ont pu publier hier parce qu'ils ont été invités. Et ça a l'air trop bien. Donc je pense que je vais y aller ce week-end. Bon bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Donc là vous avez vu, c'est mercredi 20h maintenant les vidéos. Donc vous le savez, osez réveiller votre potentiel. Laissez briller votre trésor intérieur. Mais surtout, jouissez de votre vie. She's a good girl. 1000 miles, loves you.